Hey, salut les amis, c'est GGR. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo compte-rendu vide-grenier du 9 août 2015. Donc j'ai fait un grand vide-grenier et pas mal de monde. Donc là j'ai trouvé que des jeux vidéo, j'ai pas trouvé de DVD ni de Blu-ray. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc on va commencer à un jeu de PS3 acheté à 5 €. Bon bah 5 € c'est le prix du magasin à peu près. Alors j'ai trouvé le Prince of Persia sur PS3. Il est complet avec sa notice. Le CD et puis est en un très bon état. Ah oui, il y a juste quelques traces de doigts, mais sinon ça c'est rien. Donc je suis pas un grand fan des Prince of Persia, surtout que j'en ai pas fait beaucoup. Mais celui-là, il me tombe bien et puis sur PS3. Par contre, comme c'est un vieux jeu PS3, je sais pas s'il y aura des trophées sur ce jeu-là. Enfin, ce petit jeu pour 5 €. Maintenant, deux jeux Xbox One et j'ai eu les deux à 20 €. Donc ça fait 10 € de jeu, donc ça va, c'est des prix corrects. Donc le premier c'est Rise, Son of Rome, donc Rise sur Xbox One, donc voilà. Donc celui-là, je suis curieux de voir ce que ça donne. Bon, il n'y a rien du tout, mais c'est pas grave. Donc un jeu de Romain, de gladiateur, tout ça. Donc je suis pressé de voir ce que ça donne. Hop là. Et le deuxième jeu, c'est un petit jeu, comment? Bah, c'est un Just Dance 2014, donc voilà. Donc c'est 2014, hein, mais bon, il y a quand même y a des musiques connues. Lady Gaga, Daft Punk, Nicki Minaj, David Guetta, will.i.am. Enfin, hop, un petit Just Dance, quoi, sur Xbox One. Donc, j'ai eu les deux jeux là à 20 € les deux. Donc, voilà. Mon prochain jeu, ça va être un jeu PlayStation 2. J'en ai acheté deux jeux en tout de PS2. Deux jeux de PS2. Donc, j'ai trouvé le Secret Agent Clank. Donc, je pense que c'est le premier. Donc, ou alors, je sais pas s'il y en a eu plusieurs, mais. Donc, il est complet, ça, voilà, dans un état vraiment super. Un super bêta. Franchement, la boîte, elle est comme neuve. Donc, voilà, pour 2 €. Donc, le jeu de PS2, c'est ça en principe, hein, les prix, c'est 2 €. Et un autre jeu de PS2, c'est le Tony Hawk Pro Skater 4, toujours sur PlayStation 2. Et il est complet. Ça, c'est une petite pub d'Activision, enfin bref. J'ai pas tellement regardé l'état du CD. Ah, il est un peu rayé, mais bon, je pense que ça devrait passer. Donc, celui-là aussi pour 2 €, Tony Hawk Pro Skater 4. Alors, maintenant, on va enchaîner sur un jeu Xbox. Je l'ai pris plus parce que c'était une exclue. Parce que je pense pas que le jeu, ça va être un super jeu, je sais pas trop ça. Je sais pas trop exactement si c'est un super jeu. C'est Blood Wake sur Xbox. Donc là, on voit en haut l'exclusif Xbox. Donc voilà. Donc apparemment, bah, c'est un jeu de bateau. Peut-être des combats en bateau, je sais pas tellement. Donc voilà, Blood Wake. Ça, je l'ai payé 3 €. Je voulais à la base des 5 €. J'ai dit non, non, je mets pas 5 € dans un jeu Xbox. Et je lui ai proposé 2, elle voulait pas. Et 3, elle a dit bon, 3, d'accord. Mais bon, à la base, je voulais 2 € mais elle voulait pas. Alors maintenant, un petit jeu de DS acheté à seulement 1 €. 1 € le petit jeu de DS. Bon bah, je vous préviens tout de suite, hein, c'est pas un super titre, hein. Mais au moins ça fera une boîte au cas où que j'aurai une boîte qui casse. Donc c'est juste Best of Cart Game DS. Donc apparemment il y a 4 jeux de cartes. Donc il y a le solitaire, belote, poker et tarot. Donc voilà. Bon bah ça, 1 €, franchement. Dedans il y a pratiquement rien, mais bon. Mais moi j'aime bien le solitaire, mais bon bah après les autres jeux de cartes, je sais pas trop y jouer, mais bon le solitaire j'aime bien. Et puis 1 €, franchement, au pire, ça fait toujours une boîte DS. Donc voilà. Et on va finir ma vidéo par mon dernier jeu, c'est un jeu PlayStation 1. Un jeu d'une licence Lego, c'est le Lego Racer, voilà, sur PS1. Donc ça, j'ai pas joué, j'ai pas encore essayé, mais à mon avis, c'est sûrement un Mario Kart, like. Alors, ça c'est la jaquette, la notice et le jeu. Donc, il est complet, donc c'est bien. Hop, donc Lego Racer. Celui-là, 1 € pareil. Donc, 1 €, c'est vraiment des petits prix. Et puis, moi, je commence à bien aimer les jeux Lego, franchement. J'en achète pas mal en ce moment des jeux Lego et puis j'aime bien. Donc, et ben voilà, bah, j'ai fini ma vidéo. Je vous ai présenté ces 8 jeux. Donc, il y a oui, PS3, Xbox, DS, PS1, PS2 et Xbox One, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc,
Je voulais vous parler d'un petit truc aussi, c'est par chez moi, dans la Manche, les revendeurs, ils font des prix hallucinants, franchement. Les jeux de Wii, normal, ils sont à 30 euros. J'ai vu des Game Boy Advance à 70 euros. Mais franchement, mais qui c'est qui achèterait une Game Boy Advance à 70 euros? Franchement, c'est vraiment des prix de malade. Donc je sais pas si ces gens-là, ils arrivent à faire du commerce. Mais en tout cas, c'est pas moi que j'achèterais des jeux et des consoles à ce prix-là. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Enfin voilà, ma vidéo se termine. On se redonne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis, profitez bien de vos vacances et salut les amis!